Je suis graveur à l'eau-forte, mais j'ai une formation d'historienne d'art. Donc, je pratique les deux métiers depuis longtemps. Je suis devenue graveur à l'eau-forte parce que j'ai eu vraiment envie d'apprendre une technique artisanale. Et c'est un domaine qui est absolument passionnant. C'est un travail qui se fait uniquement à la main. On ne peut pas utiliser du gant. Donc le principe de base, c'est avoir une épreuve absolument impeccable avec des mains noires. Voilà, la plaque est entièrement recouverte d'encre. Et maintenant, le travail qu'il faut réaliser, c'est avec ceci, qu'on appelle une tarlatane. Hein. Avec ce genre de choses, on crée un tampon qu'on a dans le creux de la main et avec lequel on essuie. Et on obtient l'image. C'est assez magique, oui. En fait, j'ai fait un stage chez un encadreur à Castelnaudary et 2 ans après, j'ai acheté le magasin. Puis après, bah, je veux dire, ça a évolué puisque avec Anne, on est parti faire des salons professionnels, donc ça nous a complètement boosté. Donc ça, c'est des montages qu'on fait tous les deux. Ben, en fait, ce qui m'intéresse avec ça, c'est lié aux enduits et en fait. Un panneau décoratif avec dessus une gravure encadrée avec le même enduit, par exemple, ça fait un ensemble complètement. Ça fait une pièce unique, quoi. Donc c'est surtout ça qui m'intéresse. Nous sommes devenus ateliers du pays Qatar très récemment. Et au fin fond du Lauragais, nous sommes très fiers d'être pays Qatar.